Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Darksider Warmaster d'édition sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés ici, après s'être sûrement fait capturer par notre cher ami Silita, le dernier des élus nécessaire pour Samael, et ensuite pour accéder à la tour. J'espère que vous allez bien, que vous plutôt la forme parce que oui, ouais, c'est vrai, donc là c'est 100% le donjon du grappin. Par ici. On dirait que tu ne peux pas faire grand chose contre cette horrible créature. Mieux vaut l'éviter pour le moment. Grosse dame de mariée. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête? On peut arrêter le temps maintenant. C'est même plus ralenti, c'est arrêté complètement. Le nom de la zone d'ici, c'est la canopée de fer. Oh, la canobéa. La canobéa. Ouais, oui, donc tous ces grappins et tout. Ok, pourquoi pas. Donc là, ça vient juste ici. Et ici, je ne peux pas encore y accéder car je n'ai pas la clé. C'est cela, c'est cela. Donc le donjon, ce donjon n'a pas l'air si grand que ça en fait. Je me demande en fait comment ça va se passer. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai pas vu grand chose. Hein. Ouais, non, c'est juste parce que j'ai pas la carte encore. Juste pour ça. Le cavalier approche. Quel dommage. Oh, il était caché lui. Si je les avais pas détruits sans faire exprès, j'aurais sûrement pas trouvé. Maintenant je sais que ça peut être cassé ça. Cassé, non? Oh non, c'était pas ça alors, c'était les d'autres choses. Ah, ben voilà, ça ressemble plus à un donjon. Non! Vous n'avez rien vu, d'accord? Bah
Ouais, 3 comme ça, non? Bon, ça marche pas, ok. Une clé. Ah non, la carte. Alors, on peut y voir la carte complète. Ah, ça, c'est un donjon. Voilà. Mais on parie derrière là, c'est un truc, une chronosphère. Ah non, même pas. J'aurais cru. Donc là, on est au plus bas étage, je pense. Ah oui, bah si, chronosphère. Voilà, ça va être simple hein, de savoir quoi faire. On se met là, on a... Oh non, bordel. Si par contre je sais pas sauter, ça va pas le faire. Vraiment, vraiment pas. Non. Tâche trop bas. Là c'est la bonne. Ça va, on a eu un peu de tous les styles pour les donjons pour le moment. Bon, tous dans le style post-apo, mais... Enfin, un style post-apo fantasy, c'est... Ouais, bon, voilà, quoi, ça va bien aussi. Pas la bonne arme. À la jambe. Ah, il faut que je change de chaise, hein, parce que bon, tellement de bruit. Et alors là, peut-être le grappin. Donc si je comprends bien, donc les oranges, c'est ceux qui... Direct on se dirige vers eux, on se met vers eux et les bleus c'est on se balance je crois. On verra bien de toute façon. C'est très simple.
mais ça m'a l'air bon. Allez, 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 vite. Toute petite araignée là, c'est chiant. Tiens, tiens. Lâche-moi toi. Parce qu'il faut que j'en comment je la frappe en fait, c'est ça le truc. Sinon ce serait plus simple si je savais comment. Dépêche. C'est pas ça. Ouais, faut que je le batte. Oh là 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 là, oh non, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut faire. Je peux faire quoi, bordel? Ah non, trop bas. J'ai quoi qui peut. Qu'est-ce que j'ai qui peut me permettre de réussir à la détruire là? J'ai rien. J'ai rien, j'ai rien.
Allez, vas-y. Oh putain, je suis con. Désolé, c'est bon, je viens de trouver. Désolé. Je pensais qu'il fallait la taper, mais non, pas du tout. Donc avant de descendre, on va déjà s'occuper de ce qu'il y a là-haut. Non, presque. L'idiot. Allez. Voilà. Enfin. Désolé pour ça. Hein. Après, je sais pas combien de temps. Voilà, 10 minutes peut-être. J'ai vu qu'un peu trop tard. Non, oh là là. Je vois vraiment pas trop les jeux à la manette, hein, parce que... En tout cas, c'est quand c'est sur PC. J'ai une vraie quiche. Un grappin. Donc là, normalement, si je ne l'avais usé, c'est ici qu'on a le... dans cette salle qu'on a. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est dans cette salle qu'on est censé avoir le grappin. Allez. Alors, mais par contre, ces araignées elles m'énervent. Hein. Ça respawn en plus. Comme la blague. Je rage. La rage est en moi.
tel le sel. Pour du sel. Je sais pas, j'aurais envie de dire ça. Non, non, arrête de tomber, arrête de tomber, arrête de tomber, arrête de tomber. Et comment ça il m'attaque, comment ça il attaque pas? Ah là t'attaques, c'est bien. Flûte, j'avais pas vu ça. J'étais pas avec tout le temps aussi. Il est bon pour pousser? Non, ça va. Ça aurait fait péter un petit peu un câble. Je suis pas déjà un peu en ordi. Ça va, j'ai dû visiter ça, j'ai pas encore visité ça. Ouais, moitié, ouais, ça va être chaud, hein. Non. Oh, j'en ai marre. C'est mal fait. Comment ça? Voilà. Comme par hasard, j'ai fait monter, j'ai oublié de le redescendre. Tellement je suis un génie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais what the hell? Non, c'est parce qu'il est en dessous. J'ai l'air. J'ai l'air. On a perdu une quinzaine de minutes comme ça, bah...
Parce que je fais n'importe quoi. Ah bah c'est bien. Tu vas dedans. Chiki, tu vas dedans. Voilà, c'est bien. Heureusement que le moment va le repop pas, sinon j'ai. Là j'aurais pété un câble. Encore plus que là. Voilà, enfin. Nice pouvoir. Alors toi par contre, je peux y aller de main morte. Voilà. Mais avant de continuer, on va passer par là. En ça, ah, il faut le grappin. Donc ça doit être là. Et non, toujours pas. Voilà. Plus bon, plus rien. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est les quatre grandes araignées à tuer. Oh, ça redonne toute la vie. Ouais, très bien. J'ai une clé moi. Ah, je l'utilise aussi. Bon, on doit être à la moitié du donjon hein.
Ah, c'est ici. Ah bah oui. Bien sûr que c'est là. Ah là là. Et de une. Plus que trois. Tout ça, je peux finir. Normalement, je peux avoir toutes les pièces d'armes abyssales, etc. D'armure abyssale, c'est ce que je ferai certainement dans la prochaine vidéo. Hein. Partir à la chasse de tout ça. Pendant que j'encoderai ces vidéos. Ah, même sur ça, d'accord, hein, ça c'est bien. Est-ce que je peux. Ah, oui, je peux quand même. Et que je les explose avant, c'est ça? Ah, bien sûr. Par contre, c'est un petit peu chiant, voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? La clé normalement. C'est ça. Je peux plus sortir, c'est ça? C'est une blague. Bon ça. J'ai un peu du bon côté, c'est déjà. C'est pas ça, c'est pas la bonne arme. Force de l'armure abyssale, nice. En fait, d'accord, ça c'est juste pour pouvoir passer comme ça, c'est ça?
Ouais. Donc là, il faut descendre. Ah, désolé, j'ai un petit rhume. Ok. Donc là en fait je pense que j'ai tout et qu'il me manque rien, je vois pas grand chose. Enfin je veux dire pour pouvoir avoir tous les équipements annexes ou pratiquement tout, je sais pas. Ah, froid, c'est chiant. Le froid ces derniers temps. On n'est pas en hiver pour rien. Donc là, je n'oublie pas. L'artefact champion de la zone, ce qui nous en fait 3. Oh non, toi je t'affronte pas. Vous êtes trop nombreux. Encore beaucoup de trésors. Oh, il y en a quelques-uns quand même. Putain, c'est bizarre ça. Bon, vous m'avez cassé les couilles. Oh, désolé, gros mot. J'aurais pas dû dire ça. Non. Vous m'avez embêté, voilà. Ah, ça passera pas. Allez, occupe-toi de ça. Allez, voilà.
une. Oui, bon, vous, voilà quoi. Ah oui, si. Bien vu l'aveugle. C'est un donjon bien compact et bien marrant, je trouve. Il est bien fun. Question, est-ce qu'il en reste encore? À cet étage, il en reste un seul et c'est après le la dernière arrêt de cette zone. Dans ce que j'ai vu ici, non. Dans ce que j'ai vu ici, non. D'accord, très bien. On va impec, hein. Impec, impec. Et voilà. Il en reste une. Ah oui, c'est pour sortir, ouais, donc là c'est le boss après. Je peux pas remonter par là, non, pas tout de suite. Oups. Bon, ça marche pas. Ah si, ça marche. Ouch. Quoi? Mais non, putain, pas parce que je l'ai pas équipé! Oh, désolé, mais...
là, c'est assez chiant quoi, ça marche pas parce que je l'ai pas équipé. Allez. Bon. Là, c'est intérêt à fonctionner cette fois-ci. Faut pas me faire baiser, je vais utiliser moi-même. De deux. Voilà. Par ici. Je sais. Attends un peu. En plus, ça c'était même pas le boss, bien. Oh nice. Donc on peut en tuer un de la même espèce très facilement en le montant dessus, ok. Ah non, même pas. Attendez, là c'est quoi ce bordel? Il y a bien un coffre là.
Ah, c'est bon, je sais. Ok. Donc ça c'est une des quatre améliorations du genre. Wow. Attendez une seconde. Alors ça je l'avais même pas remarqué, tiens. Ça c'est trop stylé. Cette épée de couleur sang là, elle est trop stylée. Voici ici. Est-ce que ça monte? Ouais, ça monte pas mal là.
Allez. Celui-là, on va se le faire au point. Ça monte ou pas? Ah là, ça monte plus. Bon, lui, non, finalement. Voilà. Donc j'essaie de voir comment je vais gérer ça. Donc avant déjà de traverser cette porte, on va aller voir pour le coffre là-bas, parce que j'ai la flemme. Pour tout vous dire, j'ai la flemme de refaire tout le chemin, etc. On va faire tout le chemin maintenant. C'est pas grave. C'est comme si on faisait juste un petit détour. Ah, cette lame comme ça est trop stylée. Je pensais pas qu'on trouverait directement une enfin, comment dire, une amélioration légendaire. Mais bon. Pourquoi pas. C'est juste là. On part ici. Sous vos têtes, ça. Ah oui. Donc j'ai bien fait de revenir. Parce que c'est juste là, voilà. De la rage. Ça par contre je suis pas sûr que ce soit... Ah si, c'est bien parce qu'on débloque un nouveau slot, ça. Un slot gratuit, moi je dis pas non. Non, non, je vous jure, je dis pas non. Bon, par contre là, ouais, c'est un peu... Voilà, non, on prend le chemin basique et on y retourne. Comme ça, on aura tout, normalement. Donc là, j'ai tout. Là, j'ai tout sauf la salle que je n'ai pas encore vue. Là, j'ai tout sauf la salle que je n'ai pas encore vue. Comme ça, ça me permettra d'éviter de refaire ce donjon, par exemple. Je dois déjà refaire les autres pour... Enfin, le chemin des autres pour voir des gens, en tout cas, ensuite on verra. Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui seront à faire entre cette vidéo et la prochaine. Ça va, j'ai le temps. Donc, normalement, si tout se passe bien, dans la prochaine vidéo qu'on reprendra, j'aurai l'armure abyssale sur moi. Si tout se passe bien entendu, s'il n'y a pas trop de... S'il y a par exemple un morceau d'abyssal qui est juste après notre aventure, ça par contre on le prendra en direct. On le fera en direct, on la fera en direct aussi ici. Et voilà, donc là on est au bon endroit et on va pouvoir se fighter au boss. Oui, enfin, avant de se fighter au boss, oui.
avant de se fighter au boss, il y a ce passage. Oups. Désolé. Petite mission un peu fail. Je pensais que pouvoir remonter, mais non, pas du tout. Du coup, on doit refaire les chemins. Désolé, le guetteur. Ce n'était pas du tout pour te faire contredire, non, non, non. Silita, mademoiselle. Timonor de ta présence, cavalier. On raconte tellement d'histoires à ton sujet. Tu as réussi à tuer trois des élus, pris leur cœur. Qui est-on? C'est pour ça que tu es ici. Pour éliminer le dernier gardien de la tour, pour m'arracher le cœur. Est-ce que Samael t'a réellement tout raconté dans les moindres détails? Pourquoi sa maudite puissance bat dans notre poitrine? Ce n'est pas la tour que les élus protègent, cavalier. Notre mission est d'empêcher le retour de Samael à n'importe quel prix. Tu peux me tuer et ensuite rapporter mon cœur à Samael. Mais alors, il constituera une menace plus grande que tous les élus réunis. Je ne suis pas venu écouter tes conseils, araignée, ni tes histoires. Mes enfants danseront avec joie au rythme entraînant de tes cris. Allez. Calme-toi, petit. Oups, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué sur la mauvaise touche, non. Elle joue avec toi, cavalier. Achève-la. Tu n'aurais pas dû faire confiance à Samael. C'est pas ça? J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Ah, ça a l'air de ça. Hein.
Arrête de courir, toi. Ah oui, c'est cela, j'aurai jamais ton cœur. Samael attend le dernier cœur. Tu crois qu'il te laissera vivre assez longtemps pour arriver à tes fins? Non, pas là-bas tout de suite, ça. J'ai oublié ça, tiens. Je m'en suis rappelé. Coucou toi. Alors, voyons voir un peu tout ce qu'on a dans notre inventaire. Donc, le cœur des élus. Quand 3 alliances comme ça, 3 alliances sur 1. Bon, 4 et 3, donc 7 en tout. Puis revenir dans cette partie de la zone en tout cas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir Samael et ensuite on arrêtera cette vidéo là. Et entre temps je ferai je partirai à la recherche de tous les objets. Il est où Vulgrim? Il y a pas de Vulgrim ici, d'accord. Il doit être tout au début de la zone sûrement. Ouais, c'est ça, il est tout au début. Je me rappelle. Oh, j'avais pas qu'on pouvait sauter avec lui comme ça. Allez, allons lui déposer tout ça. Peut-être un petit achat à Vulgrim, je sais pas si. Que ça. Tu es tout aussi sage que puissant. Et puis ça. Es-tu venu juste. Non, pas ce que je voulais faire, pardon.
Allez. Commençais à me demander si tu allais survivre assez longtemps pour y arriver. Donne-le-moi. Vous m'avez menti au sujet des élus. Ils n'ont jamais gardé la tour. Et qu'est-ce que ça change? Il n'était pas question d'histoire ancienne. Je t'ai promis la tour. Et tu l'observeras. Avant même que tu t'en aperçois. Je pourrais. Mais je possède moi aussi le sens des affaires. Du reste, tu peux dire ce que tu veux sur l'équilibre et ton absurde loi. Je reconnais de loin une soif de vengeance quand j'en vois une. Et la vengeance, ça se respecte. Quant au pourquoi de ma renonciation. Eh bien, je n'apprécie guère les fréquentations de mon maître. Pourquoi avez-vous défié le destructeur, Samael? On suit ton chemin jusqu'au bout, cavalier. Tu comprendras bien assez vite. Tu lui fais confiance? Par les neuf enfers, qui sait où cette porte nous mènera? D'accord. Voyons voir où ça mène là. Trône noir. Je continue parce qu'il me manque toujours un pouvoir, c'est pour ça. Azrael, pitié, aide-moi. Le septième sceau n'a pas été brisé. Qu'avez-vous à craindre de moi, ange de la mort? Si tu n'as pas l'intention de me tuer, alors peut-être m'aideras-tu. Je n'ai aucune raison de faire l'un ou l'autre. Écoute-moi, la porte doit être fermée, la tour doit être isolée du puits. C'est du puits que le destructeur tire son énergie. Le puits des âmes? Des millions d'âmes, oui, asservies, corrompues. Une puissance malsaine donnée aux armées du destructeur. Vous êtes le régisseur du bas-monde, le gardien du puits. Aucune âme ne peut rejoindre ce monde à votre insu. À moins que vous, gardien, n'ayez ouvert la voie. Le destructeur a envoyé ses plus puissants élus contre moi.
Je n'ai pas fait mieux que toi, cavalier, contre Straga. Straga, me conduirez-vous jusqu'à lui? Tu as ma parole. Alors dites-moi ce que je dois faire, ange de la mort. Tiens, tiens, tiens. Oula, il y a plein d'étages là. Je t'en prie, tu dois trouver un moyen de rétablir l'énergie dans cette salle. Ok, eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était TheStel, prochaine chaîne. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, vidéo.